Bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Crash Team Racing sur PS4 remasterisé. Nous allons continuer le contre-la-montre contre Entropy et Oxide dans le Labo Engine. Ça va être un circuit assez long et délicat, comportant des feux de sacré ultimes et surtout une faille temporelle qui va vous permettre d'aller plus vite, un petit peu comme le circuit de Waluigi dans le Super Mario Kart. Donc, et là, il n'y a pas de raccourci dans ce circuit et ça risque d'être assez chaud. Hein. Donc, bonne chance. Mais je l'ai bien réussi sur ce coup-là. Eh bien, nous allons continuer le contre-la-montre dans le Labo Engine. Entropy a fait un temps de 2,51,54 et Nitrous Oxide 2,39,65 et moi, dans le dernier temps, 2,24,14. Là, je vais leur mettre une pâtée exceptionnelle. Alors, voilà le Labo Engine. Alors là, je vous préviens, ça va pas être un circuit évident. Alors, dès le départ, on va se concentrer. Le premier virage va être très délicat. Regardez bien. Hop. On tourne tout de suite à droite. Et on prend le premier tremplin. On va négocier un autre tremplin après. Et on tourne tout de suite à droite. On prend un tremplin ultime. Car là, je me suis cogné. Et on prend le fameux téléporteur. Qui va très très vite. Ça va enclencher votre feu sacré ultime et vous pourrez le maintenir une fois être sorti de cet engin. Attention après, il y a un baril, il faudra éviter en passant sur les côtés. Ne prenez pas les turbos au centre, sinon vous allez vous faire écraser. Après, vous prenez le tremplin. Et attention aux fosses d'acide. On passe un pont et on arrive à la ligne d'arrivée. Vous faites ça pendant 3 tours. Regardez sur la carte, ils sont loin derrière. Donc pas de raccourci dans ce circuit. Tout se fait de manière linéaire. Alors n'hésitez pas à sautiller dans le téléporteur pour maintenir votre feu sacré ultime et le garder quand vous sortirez de cet engin. Alors après, il faut négocier des sauts très compliqués. Comme ce que je viens de faire. Vous pouvez peut-être avoir un petit raccourci. Quand vous prenez ce tremplin, vous voyez un autre turbo juste en dessous. Vous pouvez l'utiliser pour pouvoir accélérer. Mais bon, je ne vous conseille pas. Officiellement, il n'y a pas de raccourci. Hein. À votre place, j'éviterai de le faire. Le dernier tour. Le téléporteur et on sautille dès le départ. On maintient le feu sacré ultime le plus longtemps possible. Et attention au baril en passant sur les côtés. Hop, ils sont hyper loin derrière. Gardez. On négocie le tremplin. Attention aux fosses de bassin d'acide. On traverse le pont tout doucement et on prend la ligne d'arrivée avec un temps de 2,27,61. A bientôt et à très vite pour le prochain circuit.